Oh, t'as le cadeau, ça fait super plaisir d'être au restaurant avec toi. Oh ouais, je suis tellement d'accord moi aussi. Moi j'ai commandé la pizza de la maman. La pizza de la maman, j'ai pris une pizza avec toi normalement. Salutations amoureux. Moi c'est pizza YOLO. Bonjour pizza YOLO. Je vous ramène la pizza spéciale. La pizza avec l'ingrédient spécial margarita. Monsieur, elle est tombée par terre hein. C'est pas grave, ça donne un meilleur goût. Tiens ton cadeau. Je crois que c'est ça l'ingrédient spécial, c'est de la foutre par terre. Exactement, oui. C'est un peu dégoûtant. C'est la poussière de l'amour. La poussière de l'amour. La poussière de l'amour. En tout cas, elle est super bonne ta cadeau. Je sais pas si t'as goûté la tienne, mais elle est super bonne. Hein. Un délice. Ah ouais, c'est bon. Ouais, c'est super. T'as le cadeau, t'es super sale. Ah ouais, je sais. On peut te retenir quand même. Ceci est un hold-up que personne ne bouge. Mais avant que la vidéo commence, laissez-moi vous présenter la nouvelle tablette de chez Red Magic. Red Magic est une marque spécialisée dans les appareils gaming haut de gamme avec des performances pour jouer à vos jeux mobiles préférés. Cette tablette est très résistante et design en plus d'être super légère. Je vous propose qu'on aille tester tout ça sur Roblox et regarder à quel point le jeu est fluide. Vous voulez encore plus de challenge? Alors laissez-moi lancer Genshin Impact qui est connu pour être un jeu plutôt gourmand. Mais grâce au ventilateur et son processeur Snapdragon 8ème génération, 3 leading versions, vous pouvez lancer tous les jeux que vous voulez. Elle utilise un système d'exploitation Android très simple à utiliser. La batterie de 10100 mAh couplée à un chargeur rapide de 80 watts vous permettra de jouer partout sans avoir peur de manquer de batterie. Que vous soyez dans le train, sur le chemin de l'école ou n'importe où, vous pourrez jouer. Mais ce n'est pas tout. Cette tablette futuriste vous permettra de la personnaliser comme vous le souhaitez. En plus de faire des photos de très bonne qualité. Une compatibilité avec les accessoires gaming comme un clavier mécanique ou une manette. Cette tablette peut même se transformer en un véritable PC de jeu. C'est juste incroyable. Alors si vous êtes un vrai gamer mobile, c'est la tablette qu'il vous faut. Le lien est dans la description. Eh hey, toi, va me vider la caisse là, plus vite. Oh non, t'as le cadeau. Oui, tout de suite. Oh maman mia. Et vous bougez pas, c'est clair. Non, on bouge pas. Oh non, t'as le cadeau, il est en train de nous embêter pendant notre date. Oh là là, il peut pas braquer plus tard, tu peux pas braquer plus tard, espèce de voleur. Hey, t'as le cadeau. Ça a déjà commencé. Oh, je vous donne de l'argent. T'as le cadeau, il m'énerve. Non, moi je suis pas d'accord, tu me déranges. Allez, bien fait. Mesdames et messieurs, personne ne bouge, c'est la police. Le suspect a été appréhendé. J'en ai mis KO. C'est moi, à vrai dire, qui l'ai mis par terre. C'est vous, madame? Oui, je lui ai sauté dessus parce qu'il est en train de gâcher mon date. Ça va pas la tête, faut pas prendre autant de responsabilité, madame. Ouais, de risque. Tu m'as cassé les jambes. C'est pas grave, c'est tant pis pour lui. Ah, il faut pas faire ça, madame. Bref, toi, tu vas aller au trou. Je te retrouverai, toi, la petite. Oula. La demande, s'il te plaît, l'argent de la pizza. Et il a pas rendu l'argent. Bon, au moins, t'as le cadeau. Il est parti et on va pouvoir continuer notre date. Mais comment est-ce que t'as fait pour l'assommer comme ça? Je sais pas. Je pense que j'étais super énervée, t'as le cadeau, et ça m'a donné une force de fou, là. J'ai eu envie de lui faire un plaquage au sol. Ah ouais, j'ai capté le délire. Ça m'a trop énervée. C'est bon, vous avez récupéré votre argent? Oui, j'ai récupéré tous les diamants. Et vous, je vais vous donner une pizza gratuite. Oh, merci beaucoup, monsieur. J'ai une pizza gratuite, t'as le cadeau. Un cadeau? Il va falloir me donner beaucoup à manger. C'est grâce à son gros ventre qu'elle a intercepté le fugitif. Eh, c'est pas vrai. J'ai pas un gros ventre en plus. Non, tu es juste montagneuse. T'as le cadeau. Moi, je préfère partir. Ok, on part, Anna. Au revoir, YOLO. Au revoir, monsieur pizza YOLO. Il est super méchant. C'est YOLO, le pizza YOLO. Ouais. Oh, tu sais quoi, t'as le cadeau, tout ça, ça m'a un peu fatiguée. Moi, je te propose que demain, on fasse plein d'activités l'après-midi. Mais là, je vais rentrer chez moi tranquille. Ok, bon, bah, si tu veux, moi, je serais bien aller faire un tour avec toi. Mais bon, si c'est comme ça, Ouais, mais ça m'a fatiguée, t'as le cadeau. Tu te rends compte, j'ai fait un plaquage à un voleur. Ah ouais, bah oui, c'est vrai. T'es tellement balèze, Anna, en même temps. Ouais,
c'est vrai que je suis assez balèze quand même. J'ai du muscle, hein. Je vais pas à Basic Fit pour rien. Ouais, clairement. Bon, en tout cas, cette journée, elle était vraiment bizarre, hein. Franchement, c'est la première fois que j'ai intercepté un voleur dans ma vie. Par contre, pourquoi ma porte, elle était ouverte? Attendez, les amis, c'est un peu bizarre quand même. Ma porte était restée ouverte. Je sais pas pourquoi, mais je sens comme une présence dans ma maison. C'est peut-être le Kikou qui est passé. Kikou? Attendez, je vais rester discrète parce que, imaginez, c'est encore un voleur et il est venu se venger. Oh non, ce serait vraiment horrible. Attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est peut-être caché dans ma chambre? Attendez, je crois que je vois quelqu'un tout au fond ici. Monsieur? Bonjour, mademoiselle. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Je me suis permis d'entrer, j'ai besoin de vous parler, madame. Vous avez 2 minutes? Oui, vous êtes chez moi de toute façon, donc ça va être un peu compliqué de vous dire que je suis occupée. Très bien, je vais la faire courte. Je me présente, agent fil de fer. Je travaille pour le FBI. Pour le FBI? Ouais, mais qu'est-ce que vous faites dans ma maison? J'ai pas fait de bêtises, hein? Non, enfin, aux yeux de la loi, on pourrait dire que oui, mais le gouvernement est intéressé par vous. Votre prestation de tout à l'heure était intéressante, ce voleur, n'est-ce pas? Ah, vous savez que j'ai fait un plaquage sur un voleur et qu'il s'est fait arrêter ensuite? Bien évidemment, nos yeux et nos oreilles sont partout dans la ville. Wow, ok, et pourquoi ça vous intéresse? Car nous avons besoin d'agents compétents, comme vous. Des agents compétents au FBI? Vous êtes en train de me dire que vous voulez me recruter? Attention, madame, c'est un métier à ne pas négliger, c'est dangereux et vous allez devoir garder ça comme un secret à vie. Je vais pas pouvoir le partager avec mes amis, pas du tout. Si vous le partagez, c'est votre vie qui est en danger. D'accord, c'est vrai que c'est une grosse responsabilité, hein. Je sais pas trop si je devrais le faire. Attendez, madame, oui. Vous rendez pas compte des talents que vous avez? Immobiliser un homme comme ça, d'un claquement de doigts, surtout pour une femme, c'est un prodige. Ouais, bien. C'est vrai, je pense que j'ai les talents. Bien, est-ce que vous acceptez cet un oui définitif? Vous avez compris les responsabilités de ce métier? Oui, c'est d'accord, je veux faire partie du FBI parce qu'en vrai c'est super classe. Très bien, eh bien suivez-moi, mademoiselle. Oui, vous allez m'emmener dans les locaux du FBI? Ah ben bien sûr, vous devez faire rencontre avec notre matériel, nos gadgets et autres, pour que vous puissiez bien travailler. Oh, ça va être super cool, mais attendez, vous êtes où dans la ville? Parce que j'avais jamais vu qu'il y avait quelque chose du FBI, hein. Notre spécialité, c'est de nous dissimuler, et nous étions juste sous votre nez. Sous mon nez, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, je vous suis. On va passer juste ici. Vous voyez cet arbre? C'est un bel arbre, n'est-ce pas? Ouais, c'est l'arbre du centre de la ville. Oh, quoi? Attendez. Il est passé où? Il est rentré dans l'arbre? Attendez, faut que personne me voie. Je crois qu'il y a Waris là-bas, mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas trop compris ce qu'il fait. J'irai voir plus tard. Bon, je vais rentrer ici. J'espère que personne m'a vu. Ok, je vais descendre. Wow, mais je savais même pas qu'il y avait ça dans l'arbre. Quoi? Mais c'est trop stylé! Bienvenue dans les locaux du FBI, mademoiselle. Ah, mais si on m'avait dit qu'il y avait ça sous la ville, j'aurais pas cru, hein. Et pourtant, si. Mais c'est notre métier, comme ça, on entend plein de choses. Surtout avec votre petit groupe d'amis. On entend plein de choses intéressantes. Ça veut dire que même moi, j'étais surveillée? Oh, depuis le début, voyons. Ok, je sais pas si c'est super rassurant. En tout cas, c'est vraiment stylé, hein. Ah bah, c'est fait pour, hein. On doit péter la classe, ça fait partie du FBI. Oh. On doit sentir qu'on est charismatique. Ah ouais, c'est vrai que vous êtes super charismatique. Les lunettes, ça vous va super bien. Ça donne un côté très Men in Black. Merci, mademoiselle. Bien, voici les locaux principaux ici avec les ordinateurs. C'est grâce à ça qu'on a toutes nos informations, bases de données, que nous espionnons tous les suspects. Bref, c'est ici que je vais travailler. Que vous nous espionnez, oui. Exactement, vous avez tout compris. Ouais, et cette salle-là, qu'est-ce que c'est? Ici, c'est la salle de réunion. Quand on a besoin de faire le point, c'est ici qu'on parle. Et uniquement ici. D'accord, trop stylé. Et j'ai vu qu'il y avait une salle... Il y a des armes. Je pense que cette salle va vous intéresser, vu que vous adorez le combat. Est-ce que je peux prendre une arme? Comme ça, je la garderai toujours avec moi, au cas où il y a un problème. Vous avez le droit, mais vu que vous êtes nouvelle, vous avez le droit au petit pistolet. Ok, bon, je vais m'en contenter, hein. Hop,
Hop là, je vais prendre le pistolet et normalement c'est ces balles là. Voilà, regardez, je connais déjà tout, hein. Mais ça c'est parce que je suis habituée avec tel cadeau avec personne. Comment non, vous non, avez dit non, je suis pas du tout habituée. Non, c'était une déduction. Très bien, ça ne m'étonne pas de votre part. Bon, il est temps de se mettre au travail, Anna, puisque nous avons du travail. Une affaire est en cours et elle est difficile pour nous et nous avons besoin de votre intelligence. D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez marqué? Glacier, trafic bonbons. Vous pensez qu'il y a un trafic de bonbons dans la ville? Oui, tout à fait. Et c'est avéré. Il y a un trafic de bonbons Haribo, des ours piquants. Oh, il n'existe pas sur le marché et il y a un petit qui invente ces bonbons-là et on n'arrive pas à mettre la main dessus. Casquette Elise, qu'est-ce que vous entendez par là? Vous pensez que c'est un des suspects? D'après nos témoins, il porterait une casquette avec des hélices. Oh, mais on n'en sait pas plus. Il est très discret et très machiavélique. Je vois. Et je pense savoir de qui vous parlez. Et bah, vous savez quoi, je vais m'occuper de cette mission. Je peux vous faire confiance? Oui, vous pouvez totalement me faire confiance. Ne vous inquiétez pas, je fais maintenant partie du FBI. Je savais que vous serez un bon élément. Par contre, moi aussi, je peux avoir une super tenue et des lunettes de soleil. Non. Pour cette mission-là, vu que l'individu est très intelligent, vous devez rester normal, en civil. D'accord, je comprends. Je dois rester en un homme. Mais c'est vrai que, vu la personne que je pense, il faut que je reste comme ça. Eh bien, voilà, faites comme d'habitude, vos trucs de filles, mangez vos 28 hamburgers quotidiens, bref, comme d'habitude. Oui, mais ça, c'est un secret, ça vous le dites à personne. Hein. Oui, ne vous en faites pas, ça restera entre nous. Ok, merci, bon, et bah écoutez, je vais partir pour ma première mission et vous allez voir, je vais pas vous décevoir. Bon courage, agent Anna. Merci, c'est parti, je vais aller faire cette première mission et franchement, j'ai une super idée. Bon, les amis, ça fait quelques heures que j'attends le Kikou et je pense qu'il devrait pas trop tarder à arriver parce que je lui ai dit de venir à la maison. Ah, il est là. Oh, coucou Kikou. Ah, ça va Anna? Oh, ça va trop bien Kikou, vas-y rentre. Fais ouais, comme chez toi quoi, Kikou. Bah écoute Kikou, je voulais te proposer qu'on aille manger une glace. Une glace? Ouais, on va aller manger une glace tous les deux. Je sais que t'adores la glace au chocolat et l'autre jour, je te disais qu'on faisait jamais des choses ensemble. Donc, si tu veux, on va aller manger une glace. Moi, je préférais plutôt qu'on regarde la télé. Kikou, quand même, une bonne petite glace. Tu sais, t'adores ça vu que t'as un enfant. Ouais, mais non, là, j'en veux pas aujourd'hui. Kikou, pourquoi tu veux pas de glace? Je comprends pas. Pour rien, Anna, c'est juste que là, j'ai pas faim. Bon, écoute, Kikou, t'arrêtes ton caprice, on va aller chercher une glace tous les deux. Oh, d'accord Anna, allez, si tu veux. Allez, viens avec moi, on va aller prendre une petite glace, tu vas prendre si tu veux prendre plusieurs glaces, tu peux prendre plusieurs glaces même. D'accord. Allez Kikou, viens, t'as traîné des pieds tout le long du chemin, c'était super énervant, on dirait que t'as quelque chose qui va pas chez Glacier, je comprends pas. J'ai pas faim, c'est tout. Oh, mais Kikou, pour une fois qu'on peut faire quelque chose tous les deux, allez, bonjour monsieur Glacier. Bonjour, comment vous allez? Vous voulez une glace? Ouais, on voudrait trois glaces, je vais en prendre deux pour Kikou parce qu'il a l'air d'être un peu bizarre en ce moment et moi je vais en prendre une s'il vous plaît. D'accord, ouais, salut Kikou, ça va? Alors tenez, voilà, hop, et tiens pour toi le Kikou. Mais attendez, vous connaissez? Non, on se connaît pas du tout. De très très loin. Très loin. Bon, viens Kikou, on va aller manger notre glace dehors, on sera beaucoup mieux. Merci monsieur Glacier, je viendrai vous payer après, vous inquiétez pas. Allez, avec plaisir. Allez Kikou, installe-toi juste ici. D'accord. Mais Kikou, pourquoi t'es tout bizarre en ce moment? T'as un secret, c'est ça? Non, Anna, pourquoi? Arrête de m'embêter. Je te trouve bizarre, Kikou. Tu sais quoi? J'arrive, je vais juste aller aux toilettes. Ok, d'accord. J'arrive, reste ici. Hein. Tiens, il prend ma glace parce qu'il m'en a donné une en trop. Reste ici, Kikou, ne bouge pas, surtout pas. Hein. Ok, il faut que j'aille voir le glacier parce que c'est sûr qu'il sait quelque chose, lui. Eh, monsieur. Oui, madame. Non, rentrez pas derrière le comptoir. Restez devant. On va rester très calme, je vais vous expliquer quelque chose. Vous êtes bizarre, madame, sortez d'ici tout de suite. Non, vous n'avez pas le droit de me dire de partir. Vous allez tout de suite m'écouter. Je sais, je sais tout. Vous êtes brossé les dents ce matin, madame, puisque ça schmoute. Ça va pas à la tête. Vous êtes super méchant, mais je sais tout. Je travaille pour le FBI. Maintenant, vous allez me montrer quel est votre planque. Non, je vous assure, j'ai rien du tout. Vous allez me montrer où est votre planque. D'accord, madame, elle est derrière le frigo du milieu. Derrière le frigo, allez, passez devant moi, je vais être sûre que ce soit pas un piège. Ok. Waouh, alors c'est là votre plan que vous faites vraiment du trafic de bonbons? Oui, mais dites-le à personne, s'il vous plaît. Et bah ça tombe
super mal parce que je vais tout de suite appeler mon patron et vous allez aller derrière les barreaux. Non, 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 s'il vous plaît, pas au HEPS, s'il vous plaît. Allez, restez en bas et que je vous vois pas sortir, ok. Oh, le kikou, faut rien que je lui dise pour le moment. Faut que j'appelle mon patron. C'est bon, ça doit être ce numéro. Bonjour, monsieur agent fil de fer, c'est Anna. Oui, quel est votre rapport? Ça y est, j'ai trouvé la cachette de trafic de bonbons et c'est le glacier. En réalité, je l'ai capturé, il est dans sa propre cachette. Bon travail, agent Anna, j'interviens tout de suite. Oh, super, vous pouvez venir le chercher et le placer en prison. Ok. Très bien, j'arrive de suite. Ah ouais, il devrait pas tarder, mais je crois qu'il arrive justement. Hey, mais... Hé, hey, toi là, c'est toi le glacier, c'est ça, hein, avec non, ton petit chapeau non, à lisse. Ah, j'en étais sûr. Agent fil de fer, non, ça c'est Kikou, c'est juste un enfant qui profitait du trafic de bonbons, mais il est pas du tout... Il est pas méchant. Il a rien d'intelligent et rien de machiavélique. Non, pas du tout, il est juste très bête et très, très mignon. Ah, tu m'as tiré dessus, toi. Oui, bah, t'avais qu'à pas être dans ce trafic de bonbons. Agent fil de fer, vous devriez tout de suite aller chercher, parce que sinon notre glacier va s'enfuir, hein. Où est le coupable? Il est dans la cachette, entre les deux frigos. Entre les deux frigos, très bien. Normalement, il y est toujours, hein, Hé, hey, toi, là. Où sont les bonbons, Haribo? Rends les bonbons. Pardon, ils sont dans les coffres. Super, j'ai réussi. Attends, faut que j'aille peut-être t'expliquer au Kikou. Kikou? Ouais, Anna, qu'est-ce qui se passe? Je vais t'expliquer. C'est juste qu'il y a un trafic de bonbons ici. En fait, je m'en doutais. Du coup, on arrête le glacier. Ah bon? Oui. Il y avait un trafic de bonbons. Bah, en fait, tu vois les Haribo piquants que t'as mangé? Ah ouais. Et bah, normalement, on n'est pas censé en avoir à Talca City. Mais on n'en aura plus. Non, on n'en aura plus, Kikou. Faudra attendre qu'ils sortent dans la ville. Oh, je suis désolée, Kikou. Moi, j'en mangeais tout le temps. Très bon travail, Anna. Est-ce qu'on peut se voir dans 5 minutes au QG? J'ai une mission très, très importante à vous confier. Oui, ok, tout de suite, monsieur. Kikou, tu devrais rentrer à la maison. Moi, je vais faire un petit tour. Ouais, de toute façon, il me fait peur, ce bonhomme. Allez, avance, toi, le glacier, là. Arrête de faire le mariole. Pardon. Bon, les amis, je vais rentrer au QG. Il paraît que je vais avoir une mission encore plus importante. J'ai trop hâte de savoir ce que c'est. Bon, les amis, ça fait à peu près 5 minutes que j'attends. Ah, il est là, l'agent fil de fer arrive. Oh, quand ils disent 5 minutes, c'est vraiment 5 minutes, hein. C'est pas une minute de plus, hein. Rebonjour. Bonjour, Anna, rebonjour. Bravo encore une fois pour avoir stoppé ce trafic de bonbons. Vous inquiétez pas, hein. De toute façon, c'est grâce à mes connaissances avec le Kikou. Eh bien, c'est justement pour ça que je vais vous engager. D'ailleurs, on a encore besoin de vos connaissances, de votre entourage. De mon entourage, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tout à fait. Nous avons repéré un criminel hautement dangereux parmi votre groupe de petits copains. Qui c'est? Une certaine banane, Johananas. Johan, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a encore rien fait, mais il projette de braquer la banque, le plus gros braquage de ce que cette ville ait connu. Oh là 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 là, mais vous en êtes sûr de ça? Parce que Johan m'en a pas du tout parlé, hein. Et justement, il agit dans l'ombre, mais nous sommes sûrs à 1000%. Nous avons toutes les informations qui le confirment, et vous devez l'arrêter. Ouais, mais vous savez, c'est mon ami, c'est un petit peu délicat. Agent Anna, nous sommes au FBI, il n'y a pas de place pour l'amitié. C'est cette mission qui va confirmer si oui ou non vous êtes fait pour ce job. D'accord, monsieur. Si c'est pour le job au FBI, alors je le ferai. Parce que vraiment, je veux en faire partie. C'est super stylé. Très bien, je préfère ça. D'après nos informations, il prévoit de braquer la banque aujourd'hui, en fin d'après-midi. D'accord, alors vous voulez que j'aille l'espionner, c'est ça? Oui, vous devez le suivre comme si vous étiez son ombre et l'arrêter au moment opportun. Le prendre en flagrant délit. Très bien, je vais aller enquêter et déjà je vais trouver des preuves. Tout ce qu'il vous faudra pour prouver qu'il va faire un braquage. Très bien, j'attends de vos nouvelles, agent Anna. Ne me décevez pas. Non, je ne vais pas vous décevoir, agent fil de fer. Ne vous inquiétez pas. Oh là là, les amis, vous vous rendez compte? Je vais devoir aller espionner Johan parce qu'il est suspecté de faire un braquage cet après-midi. Oh, je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai peur de gâcher mon amitié avec lui. Mais bon, après tout, c'est mon métier, c'est tout, c'est mon métier. Attendez, je vais sortir de la cachette. C'est bon, y a personne. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que... La 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 la. Ah, Waris, t'es en retard un peu, toi, hein? Tu me dis ça alors que je suis devant la maison de Johan, c'est toi qui es en retard. Johan, ça faut pas le dire. Les amis, mais qu'est-ce qu'ils font, tel cadeau? Et Waris, ils sont habillés super bizarrement. Et Waris, il a tout redécoré sa maison. Oh, c'est super stylé. Bon, c'est pas le sujet, en tout cas. Faut que j'aille les espionner. De base, j'étais censée aller espionner seulement Johan, mais là, y a tel cadeau et Waris qui se sont incrustés. Attendez, faut que j'aille à une fenêtre. Je vais... Comment
Comment ça va, Johan? Ça va, les gars. Alors, le plan banane à la menthe, il tient toujours? C'était pas ça, le titre. C'était pas la mission sapin vert? Mais non, c'est la mission braguette. Ah, ok, d'accord. Je suis totalement à la ramasse. Du coup, on choisit quoi comme nom? Je propose qu'on fasse un vote. Vas-y, sapin vert, déjà, on peut l'expulser. Ouais, sapin vert, c'est nul. Ok, la mission courgette, vous en pensez quoi? Je pense que c'est une excellente idée, oui. Mission courgette, pourquoi pas? Quelle est cette mission? Ok, mission courgette, les gars. Tout est prêt, Johan? Oh oui, tout est prêt. Suivez-moi, regardez. Allons-y. Je vais vous montrer un truc. Attendez, regardez bien que personne nous surveille, c'est bon. C'est ma cachette secrète. Venez, j'ai tout préparé ici, regardez. Super. Ah, c'est nul, Johan. Je pensais qu'il y avait vraiment un truc secret qui allait se... Ah ouais, mais ça, c'est trop bien. Attendez, les amis, ils ont une cachette secrète. Oh là, c'est sûr, ils préparent quelque chose, mais peut-être que c'est pas du tout un braquage. Hein. Peut-être que je me trompe, hein, après tout. Hein. Peut-être que l'agent fil de fer se trompe et j'espère vraiment. Par contre, je vais attendre qu'ils partent pour pouvoir y aller, hein, parce que là, sinon, je vais être repéré. Attendez, je vais me cacher juste là. Je vais me cacher là et je vais les surveiller. Bon, allez, on y va. On est équipé, c'est allez. Bon. Allez, go, on prend les voitures. On prend les voitures dans la maison. Allez. Oh, ils ont des armes. Oh non, c'est sûr, ils ont préparé le braquage. Oh non. Ah, en plus, je pensais qu'il y avait que Johan. Oh non, je suis tellement déçue de tel cadeau et d'avoir Riz. Attendez, les amis, il faut que j'aille voir ce qu'il y a dans cette planque pour être vraiment sûr à 100%. Wow, c'est super stylé cette planque. Il y a des armes partout, il y a de l'or. Oh non, c'est sûr qu'il prépare le braquage. Ok, je vais appeler l'agent fil de fer tout de suite. Alors, mon téléphone, il est juste là. Agent fil de fer. Oui, je vous écoute, agent Anna, au rapport. Oui, j'ai trouvé la planque de Johan Anas, tel cadeau et Awaris. Ils prévoient de faire le braquage tous les trois. Elle se situe où? Elle se situe sous la maison de Johan Anas. Mais là, ce n'est pas le problème. Là, ils sont partis en direction de la banque. Je pense qu'il faut qu'on se retrouve tout de suite là-bas pour les arrêter avant que le braquage se fasse. Très bien, faisons comme ça. On se rejoint à la banque. Oh, oui, très bien, ma agent fil de fer. J'arrive tout de suite. Oh, les amis, je vais aller intercepter les garçons. J'espère qu'ils vont pas trop m'en vouloir. Mais là, je dois faire mon métier. Je travaille pour le FBI maintenant. Il faut que je les arrête. Oh, regardez, ils sont là, ils sont devant la banque. J'avais raison. C'est bon, les gars. Allez, les gars, on reste focus. Ok, allez. Vous êtes prêts? On va aller les attaquer. Et ils vont être on les intercepte. On y va tout de suite. Allez, dépêchez-vous. Go. Mais FBI, plus un geste, les garçons, jetez vos armes, je veux vraiment pas vous blesser. Les armes au sol. Donnez-les. Moi, j'hésiterai pas à vous blesser. Et toi, là, le petit malin aux couleurs. C'est bon, j'ai jeté. Oh, les garçons, mais pourquoi vous faites ça alors que vous avez plein d'argent? On a plus d'argent. C'est Johan, il a plein d'argent, nous, on a rien. Oh non. Je suis désolée, mais vous êtes en état d'arrestation pour tentative de braquage de la banque de Talca City. Oh non. S'il vous plaît. On rigolait, c'était un prank pour YouTube. Je suis pas sûre, Johan. Agent fil de fer. Oui. Allez, j'y vais. On se lève. On rigolait. Dégoûtant, tel cadeau. Arrête ça tout de suite. Et agent fil de fer, ils vont rester combien de temps en prison? Oh, ils vont rester pendant un bon moment. Un petit 2 mois, hein. Deux mois. Ça va vous rafraîchir les idées. Oh, 2 mois sans faire de vidéo. Oh non. Allez, les garçons, dépêchez-vous. Ça me fera des vacances. On en discutera au poste. En vrai, ça me rend un peu triste, mais au moins ça va faire un peu de vacances. Ça, ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple, les garçons. Alors, Allez, dépêchez-vous. Allez, ok. Évite que ça. Bon, les amis, je crois que j'ai réussi ma mission d'agent du FBI. Là, j'ai arrêté les garçons et vraiment, c'était super cool. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner et ça va pas de me lancer des bombes comme ça. Il y a 3 vidéos qui s'affichent sur votre écran. Bye bye.